historique Valdémont. Émission spéciale. Nous allons nous promener, je le répète souvent cette phrase-là, d'aller un peu vers le passé. Cette fois-ci, ça va être une aventure livresque. Tant qu'à trouver des grands mots, nous allons voir tous les livres qui, mon Dieu, qui ont été utilisés entre 1930 et 1960, qui vont probablement vous rappeler des souvenirs drôles ou peut-être des souvenirs un peu plus sévères avec tous les devoirs ou les leçons que vous aviez à faire. Jean-Denis Charbonneau veut les présenter. Jean-Denis, comme plusieurs personnes savent, il est responsable des capsules historiques. Et aussi, il a déjà été enseignant. C'est un jeune retraité et qui veut présenter tous ses beaux souvenirs dans ces livres-là. Donc, j'y vais. On va y aller, évidemment, avec l'importance de la province du Québec. Non, c'est pas l'histoire. On s'en va dans le français. Jean-Denis, on part avec la lecture. Oui, la lecture qu'on a connue dans nos années primaires. D'accord. Et en présentant ces volumes-là, ça va être un peu mes souvenirs que je vais te présenter en même temps. On commence par le premier livre de lecture que tout le monde a connu par Forêt-Ouimet. Et la question que je me posais lorsque, à cette leçon-là, c'est comment est-ce que le garçon pouvait monter dans l'échelle pour aller chercher la lune? Donc, tu sais, à l'âge de... on avait peut-être 7-8 ans à cette époque-là. Mm-hmm. Donc, des questions s'en posaient. De même, une autre anecdote ici, la tire. J'aimais bien la tire d'érable. Et je me demandais comment est-ce qu'on pouvait manger toute cette tire-là qui s'étirait entre l'enfant et la mère. Donc, ça, c'était une autre question qu'il me posait. Et également, ici, le renard. Les poules, j'étais sur une ferme, les poules, je connaissais, mais le renard, je ne l'avais jamais vu, et ça ressemblait plutôt à un chien qu'un renard. Donc, ça m'intriguait également. Mm-hmm. Donc, c'est seulement quelques souvenirs de ce premier livre. Dans ça, il y avait évidemment l'épellation, là. C'était ça la base. La base de la lecture elle-même. D'accord. Dans le second, et également dans mes souvenirs, le petit garçon qui s'était fait une espèce d'épicerie. Ah, mon Dieu, vraiment, ça me revient. Et là, je me demandais comment est-ce que le petit garçon, à son âge, avait pu construire tout. Je pouvais pas imaginer que ses parents avaient pu lui donner un coup de main. Donc, j'étais là, hey, il était intelligent, ce petit bonhomme-là, de pouvoir tout construire, puis de faire un petit commerce à son âge. Mon Dieu! Ça m'intriguait également. L'an 2000, responsabiliser l'enfant. C'est ça qu'on parle de la réforme actuelle, le responsabiliser. C'est un dessin de 1935. Oui, c'est des années, oui, dans les années 30. Également, dans le troisième, vu qu'on était à la campagne et qu'on présentait un moulin à vent, ça m'intriguait également. Comment est-ce que ça fonctionne, ces grandes ailes? À quoi ça sert d'avoir un établissement avec des grandes ailes? Quand ça ne tournait pas nécessairement, on ne voyait pas l'élément tourner. Le mécanisme. Que ça fait là? Puis au Québec, il y en avait quelques-uns près de Québec, mais il n'y en avait pas dans la région du tout. Dans la région du tout, on n'en avait pas. Également, ici, on était loin de la mer. Donc, ça faisait rêver jeunes garçons qu'on était. Toute cette mer, ces grands bateaux, ces voiliers qu'on n'avait jamais vus, donc ça excitait un peu, on va dire, notre imagination. Ouais, mais une qui m'a surtout frappé, c'est celle que vous avez vue à l'entrée sur la pancarte. Oui. C'est la classe elle-même. Parce que je ne sais pas si dans mes gènes je devenais professeur plus tard, mais cette classe-là, ça me fascinait. D'accord. De voir cette classe avec tous ces éléments-là et le professeur qui, à l'époque, était très important. Donc, on dirait que j'étais attiré vers cette image-là est exagérée ou est réellement réelle? Réelle, parce que on avait les cartes géographie, histoire du Canada, sur des espèces de rideaux qui descendaient. L'image était là.
Les fenêtres ensuite, aussi, tout ça, la clarté oui. de ça. Ensuite, le chauffage avec un radiateur. Ensuite, il y avait nécessairement les éléments religieux et le drapeau du Québec. Donc, on voit que c'est réel. L'enseignante sur le piédestal. Il y avait comme une petite tribune. Là. Le professeur était toujours plus haut que les élèves pour pouvoir surveiller. Okay. Et là, on passe dans une autre édition. D'accord. Qui était au primaire. Et ce que je veux faire remarquer, c'est que les couleurs vont changer. Vous avez remarqué que les couleurs étaient prenantes, tu sais, claires, brillantes, etc. Et je ne sais pas si c'est à cause de l'imprimerie, c'est que les couleurs vont devenir plus contrastées. Une seule couleur de fond, ici, c'est un brun rouille, là. Oui, d'accord. Et les éléments sont noirs, c'est-à-dire que c'est juste des silhouettes. Et ça a été comme ceci dans plusieurs, on va voir dans les productions des années 30, 40 et 50, ça va toujours rester cet élément-là de couleur et ça va rappeler des souvenirs à ceux qui ont pris ces volumes-là à ce moment-là. Ça, il n'y avait pas de gros changements, là, ça revient. Non, qu'on prenne ici, c'est l'édition 1949. Mm-hmm. Et les frères des Sacré-Cœur, parce qu'il y a deux congrégations qui se sont centrées sur la production de volumes, les frères des Sacré-Cœur et les frères de l'Institution chrétienne, qui ont édité ces volumes-là D'accord. dans ces années-là, dans les années 50. Et vous voyez, également, ce sont toujours des scènes qui se rapportent à la vie ordinaire, c'est-à-dire le jour de l'an. Ici, vous avez nécessairement le curé qui récite son bréviaire. Et également ici, le draveur. Donc, tous des scènes qui rappellent la vie qui se déroulait à cette époque-là. Parce que si je recule même tantôt à... C'était la Catherinette, là, la Sainte-Catherine. Puis même ça, il semble que toutes les images, les textes étaient sur le Québec, étaient sur notre région. C'était pas comme des textes qu'ils allaient chercher en France ou ailleurs. Non, c'était surtout dans notre vécu à nous. Et j'ai parlé tantôt des frères de l'Institution chrétienne. Vous voyez, ça demeure également dans les teintes de l'époque. C'est sûr que les couleurs sont plus pastelles ici. Okay. Mais ça demeure également le même principe d'imprimerie. Non, les bûcherons. Enfin, un chantier, ça, je pense. Ouais. Non, c'est la soirée dans le salon. Ah, OK. Et ici, vous avez... Ah, c'est ça. La veillée. Ici, la veillée avec les danses, etc. Ah, ben. Un gros progrès va se faire parce que j'ai enseigné dans ces volumes-là. Ça veut dire que ces volumes-là me servaient de français quand j'enseignais 6e, 7e année. Et un gros progrès s'est fait à l'arrivée de ce volume-là. Ça, je m'en souviens comme ça a été un volume extraordinaire parce que vous allez voir par vous-même que les illustrations vont complètement changer. Et on va revenir à un élément qui était... qui est encore plus imaginé. Okay. C'était pas seulement plaqué comme des images. On voit nécessairement que la créativité est forte à ce moment-là. Et c'est des vrais tableaux à certains endroits. Ça, ce sont des livres que tu as utilisés, là. Que j'ai utilisés. Parce qu'on regarde ici l'illustration, c'est une vraie peinture. Mm. Et les élèves étaient fascinés par cette couleur-là. Mm-hmm. Souvent, je les voyais, au lieu de suivre l'exercice qu'ils étaient en train de faire, j'en voyais souvent feuilleter le volume parce qu'ils étaient intéressés par une illustration. Donc, ça a été un gros progrès dans la fin. Un autre progrès également, ça a été la présentation grammaticale. Mm. Donc, c'était encore bien plus intéressant. Nous allons voir tout de suite. Une comparaison entre les volumes des années 30 dans un exercice grammatical. Et vous allez voir tout de suite la différence. On dirait que la grammaire s'apprenait plus facilement avec ces couleurs qui étaient superbes. Et pour finir, vous avez un autre exemple de... un examen, ça? Non, c'est un résumé. Un résumé des règles grammaticales. Donc, la couleur aide beaucoup à la compréhension également. D'accord. Si on continue dans la comparaison, on va prendre deux éléments, le participe présent, que tout le monde a connu,
Ça, c'est ça, vous l'avez connu quand même à cet âge-là. Non, non, non. 1936, c'est avant moi. Regardez, l'exercice, il est froid. Juste encadré par un petit cadre bien simple, sommaire. Tandis que les frères des Sacré-Cœurs ont fait le même exercice, le participe présent, et vous voyez tout de suite que l'illustration va tout de suite donner un élément attirant. D'accord. Et que le participe présent, on dirait, il revêt un élément un petit peu plus intéressant avec cette illustration-là. Puis de nos jours, Internet, de nos jours, tout ce qu'on utilise comme nouveaux livres, les compagnies, dans la province de Québec, partout, ils se battent pour avoir ces couleurs-là, pour attirer l'enfant. Donc même déjà dans ce temps-là, ils prévoyaient que l'enfant était plus captif de ça. En parlant de couleurs, il me semble aussi que vous avez des talents, M. Charbonneau, on essaye de rester là bien clair. Il me semble que ces couleurs-là t'ont-tu aidé à mieux voir aussi la peinture ou des idées par après? Oui, par après. Ça donnait un goût de ça. Bien, j'étais attiré par ces couleurs-là parce que j'avais tellement de dessins à partir de... C'était déjà quelque chose de jeune, OK. Puis ensuite, quand j'ai fait mes beaux-arts dans les années 68-70, bien, on dirait que j'étais déjà attiré par ces couleurs-là. OK, OK. Il y a également les autres méthodes. Ces années-là n'étaient pas à l'abri des changements. Parce que dans l'éducation, comment est-ce qu'on a connu de changement, c'est incroyable. Et même à cette époque-là, on importait certaines méthodes de l'Europe. Et vous voyez ici, là, c'est une méthode de l'exercice spontané de lecture. Et on va voir des éléments qui sont des couleurs intéressantes pour attirer l'enfant du primaire. Donc, c'est une autre méthode qui existait à cette époque-là. On passe maintenant aux livres de lecture qui étaient connexes, c'est-à-dire que pour que l'élève puisse progresser dans ses lectures, y avoir peut-être une ouverture, et je pense que c'est un gros progrès pour chez nous là, lors de l'enseignement, on a donné les volumes de lecture. Et ce qui est étonnant, c'est que on retrouve dans ces volumes-là des auteurs, les grands auteurs. Là, je vois le chiffre 7, ça veut dire septième année. Ici, on a... septième année n'existe plus. OK, d'accord. Donc, vous voyez ici Lamartine, un texte de Lamartine. D'accord. Ensuite, vous avez un texte de La Fontaine, nécessairement à la Laitière et le Beautoulet. Et ensuite, vous avez, je pense que c'est Félix Hitler. Non. Fernand, et vous avez aussi Alphonse Daudet, qui était un auteur français bien connu, avec ses contes qui étaient très... des enfants. Il y a eu tout à coup une influence française. Oui. Nos textes même semblaient diminuer. Après ça, il y a eu une petite révolution par après pour pas enlever, mais un peu épurer les textes pour revenir au Québec. Ça, c'est-tu québécois encore ou ça, c'est... Non, ça, c'est Hugo. Donc, comprends. Vous avez Victor Hugo, qui est dans le livre de cinquième année. La couleur aussi est belle. Oui, elle est super. Et on finit par le livre de quatrième année. Vous voyez, même en quatrième année, ils vont avoir des auteurs qui sont français avec Marie-Victorin. Le texte de Marie-Victorin. Ensuite, je pense qu'on va avoir Adagio avec Là, on est rendu au Québec, là. Oui, Félix Hitler. Donc, vu que c'est une année qui est... la quatrième année est plus... On dirait qu'une année plus faible. Oui. Donc, on essaie d'avoir des textes plus adaptés à cet âge-là. Et on termine avec le texte de Georges-Étienne Cartier. Ah, mon Dieu, au Canada. Au Canada. Donc, ce sont des volumes qui étaient... Je peux dire que ça a duré des années. Parce que c'est inépuisable... La qualité, la quantité des volumes, et vous voyez que c'est bien cartonné, et c'était intéressant pour les élèves d'avoir ce genre de volume-là dans les mains. Et ils étaient initiés à la grande littérature française. Je suis persuadé que Valdémont, Paul Timmons, Saint-Pierre, puis à Perkins, des livres sont encore dans la bibliothèque ou dans les des classes de certains enseignants. C'est pas tout brûlé ou débarrassé de son... Je le vois encore.
Oui, il y en a certains. Mais ces volumes-là, j'ai été chanceux de les avoir parce que je les ai eus par hasard. Les Frères d'Institution Chrétienne à Pointe-du-Lac avaient un grenier plein de livres scolaires. Mmh. Et lorsque j'ai passé, j'ai demandé si c'était possible d'avoir certains livres. Donc, le frère qui était là, il dit 7, ouais. Moi, je sortais avec 3 caisses de volumes. Et un mois après, le feu détruisait complètement l'établissement. Donc, la richesse que j'ai là, ça a été une richesse incroyable que j'ai eue par un pur hasard. Et j'en profite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me fait plaisir de faire profiter les gens de cette richesse littéraire et des volumes. Et il y avait également des exercices de français. Alors, pour ça, c'est au niveau 6e et 7e année, il y avait des exercices où l'élève pouvait compléter les exercices. OK. Ça a été publié par le Centre de pédagogie et de psychologie de Montréal. Et également, les Frères d'Institution Chrétienne ont publié leur volume d'exercices avec... c'est des pamphlets qui aidaient aux exercices grammaticaux. Et même, je pense que les sœurs de la congrégation, on va voir d'autres publications plus tard, elles autres également ont publié des exercices d'écriture et de lecture pour que le français soit mieux appris par les élèves. Puis de nos jours, les gains d'exercice, on en a aussi. Évidemment, on peut le diminuer dans le niveau, je parle de l'an 2000. Est-ce qu'il était obligatoire, ça? Parce que tantôt, j'ai vu 1,50 $, où j'ai vu des prix. Est-ce que ça, c'était gratuit ou c'était... Non, c'était... À cette époque-là, on n'avait pas la gratuité scolaire. D'accord. Et on va voir même dans les livres de mathématiques tantôt... D'accord. ...que les parents étaient obligés d'acheter le volume. Ah. Et ces volumes-là duraient de génération en génération, c'est-à-dire que... Les volumes ne changeaient pas comme aujourd'hui, je dirais peut-être une dizaine d'années. Donc, les enfants pouvaient se passer un volume, surtout s'il y avait plusieurs enfants qui suivaient. Le grand frère passait ses volumes à son plus jeune. Je trouve ça spécial. Si on pouvait trouver qu'est-ce qui nous inspirait, jeune, moi, c'était la lecture. Puis maintenant, j'écris. Puis j'ai eu le bonheur de participer un peu à du théâtre. Toi, c'était la couleur. Ça t'a permis de voir un talent qui aurait pu sommeiller. Donc, je pense que les gens ont peut-être ignoré, ou enfin, à la longue, ils ont endormi tout ce que c'est qu'ils ont appris avec ça. Mm. Oh, ben non, c'est un livre de lecture, ben, c'était un exercice, ou c'était quelque chose de tellement, tellement vieux. Puis, il a dû avoir des amours ou des talents cachés dans ça. J'aime ça que l'émission revienne un peu. Peut-être que des gens vont dire, c'est vrai que j'aimais beaucoup, beaucoup telle partie. Puis, des fois, ça nous a aidé dans notre orientation. Oui. Oui. Je trouve ça drôle d'avoir dans un petit cahier de se connaître. Oui. Je trouve ça drôle. Nous continuons dans les livres scolaires de l'ancien temps. Nous passons à une partie que les gens aimaient tellement, puis il y en avait d'autres qui avaient donc pas hâte de recevoir les devoirs ou même les leçons d'arithmétique, ce qu'on appelle maintenant mathématiques. Puis les noms aussi, ils changent tellement de nos jours, ça en est affreux. Alors, il y en a des gens qui en étaient malades simplement à voir ce travail-là. J'ai encore Jean-Denis Charbonneau qui, malheureusement ou heureusement, selon qu'on se place, il n'était pas professeur de mathématiques ou d'arithmétique très, très haut, intéressé par ce travail-là. On va y aller, on va encore faire la liste des premiers livres. On recule encore en 1940. Jean-Denis, on vous écoute avec... Tantôt, je vous ai parlé des communautés, hein? Oui. Les Frères d'Institution Chrétienne et les Frères des Sacré-Cœur. Oui. Maintenant, les classes Saint-Viateur, eux, se sont centrés sur l'arithmétique. D'accord. Donc, vous voyez ici, en 1936, les illustrations, c'est plutôt des gravures. D'accord. Parce que l'élément couleur n'apparaîtra pas à ce moment-là. Et les exercices ne peuvent pas tellement changer. Ce sont des problèmes et des opérations mathématiques. Donc, pour montrer, c'était juste des petites gravures. Un petit peu plus tard, en 1946, vous allez voir tout de suite le changement qui se produit et on voit apparaître la photographie. Ah! Et des éléments que les élèves connaissent, mettons, le magasin général,
Et vous avez également, on se rapporte à l'époque, avec l'automobile et les assurances. Donc, avec tous les problèmes, donc les problèmes étaient là pour des questions à résoudre également. Et vous avez le livre du maître qui va avec le volume, les réponses. C'est sixième et... Septième année. Ah, d'accord. OK, septième année qu'on on connaît un peu maintenant au secondaire 1. D'accord. Vous voyez également, dans la même série, les classes aviateurs ont fait une nouvelle toilette. Et vous voyez tout de suite que la couverture devient plus intéressante par... et les exercices ne changent pas. C'est la même chose. Et vous voyez arriver la couleur qu'on avait dans le français, le fond d'une couleur, et vous avez le noir qui donne certains éléments de construction. Je me permets juste une petite question. On voit bien un garçon et une fille. Oui. Ça a dû être nouveau, ça. Parce qu'il me semble que les garçons étaient d'un côté et les filles étaient de l'autre côté. Oui. Qui présentent mathématiques ou ce que c'est qui s'entraident. À ce moment-là, c'est parce que les volumes étaient aussi bien chez les filles, chez les garçons, parce que ça a changé. Oui, oui. Elles n'étaient pas mixtes, mais les volumes étaient les mêmes, au niveau. Et on arrive à la série, quatrième, cinquième, sixième, septième année, que tout le monde a connue, et j'ai même enseigné avec ces volumes-là en sixième année. La base est pareille, c'est-à-dire que ça ne change pas. Et l'illustration, vous voyez que les couleurs... Ah, les contrastes. Les contrastes reviennent comme dans ces années-là, parce que là, on est dans les années 50. Parce que ici, c'est la... on voit que c'est 1954. Donc, ça a été prouvé au début des années 50. Mais ça, c'était pas la région de l'Outaouais seulement. Ah non, c'était... j'enseignais à Montréal et on avait également ces volumes-là. Ah, c'était au niveau de la province. D'accord. Et... vous voyez tout de suite que c'est le même auteur, Gérard Baudry, et il a fait une toilette nouvelle. Et on voit tout de suite que l'élément graphique a changé. Et que c'est même si c'est en troisième année, on voit très bien que le graphisme a changé et c'est encore plus attirant. Également, les couleurs sont encore plus intéressantes. Là, on tombe des années 60. D'accord. Ah oui, il y avait même des personnages aussi à l'intérieur. Mais vous revenir avec un des personnages à l'intérieur, il me semble qu'il y en avait un qui était... Ah, qu'il tient là. Oui. On le voit très, très bien, c'est abstrait. Mm-hmm. C'est comme l'ère moderne, c'est drôle, c'est tous les bonhommes qu'on a connus toujours. Oui. OK. On voit tout de suite que ça évolue dans ce sens-là. Et vous voyez les Frères des Sacré-Cœurs également, eux en ont produit, et vous allez retrouver l'élément de couleur qu'on a vu dans leur livre de français, on les voit également. Regardez le contraste, la couleur de fond avec le noir et blanc. Donc, c'est la même époque, que ce soit en mathématiques, que ce soit en français. Et on tombe dans les livres d'exercices, comme on l'avait dans le français, les volumes d'exercices de l'examen du mois, et ensuite, des cahiers d'exercices faits par les Frères de l'Institution chrétienne. Vous voyez déjà... il y a certains éléments, par le point du lac, qu'on voit... Vous pouvez en ouvrir un juste pour une seconde pour les cahiers d'exercices? Ça ressemble comme des problèmes. Oh, oui. D'accord. Mais accepté, c'est des problèmes de révision. D'accord. Pour qu'ils aident les professeurs. Et également, des petits exercices qu'on pouvait... Regardez, ici, c'est 20 sous. Ah! Et ici, c'est 25 sous. Des cahiers d'exercices pour nécessairement que l'élève progresse dans la matière qui est enseignée. Et peut-être qu'il y avait des surdoués dans cette époque-là, et le professeur pouvait lui donner des exercices supplémentaires. Les gens n'étaient pas obligés d'acheter ça. Non. Ça, c'était l'exercice complémentaire. D'accord. Tandis que le volume de base, mais lui, il fallait que ce soit dans... Ça rentrait dans le programme. Ou lorsqu'on arrivait en sixième, septième année, où c'était des années de passage, c'est-à-dire des examens du ministère, donc on se basait sur le volume de base et non pas sur les volumes d'exercice. On peut voir que vous avez compté tous les livres de ce temps-là. Eh bien, en arithmétique. Nous voici dans la géographie. Heureusement, pour ceux qui aimaient les leçons, Jean-Denis Charbonneau ne donnera pas une leçon de géographie. Il va simplement expliquer rapidement tous les livres. Jean-Denis, à toi. Voici, on change de congrégation.
On a parlé des zones de congrégation. Ici, d'accord. On est rendu avec les frères Maristes. Les frères Maristes ont publié la géographie. Et je me rappelle également les 7 illustrations. Vous voyez tout de suite que dans les années 40, on avait des illustrations qui étaient un peu géographiques. Et les couleurs étaient intéressantes également pour cette époque. Vous voyez comment est-ce qu'on illustrait également avec... on voit ça aujourd'hui avec les tartes là, qui donnent des pourcentages. Mm-hmm. Maintenant, quelques années plus tard, ici, on est en 54, on tombe en 57, et vous allez tout de suite voir que la couleur change énormément. Et on a toute la série quatrième, et vous allez voir... Je saute sur l'occasion, je vous coupe, là. Jean-Denis, je te coupe, c'est parce que j'ai vu une photo de la classe. Ah, voyons, mon Dieu, je tourne là encore. Tiens, c'est-tu... Oui. Ah, ben... Oui, je me rappelle du tableau. Ah, ben... D'accord, on voit très, très, très bien. Très bien. Un autre... Et ce qui est intéressant dans ces volumes-là, parce que tous les volumes se ressemblent, vous allez voir... OK, comme ceci. Cet élément-là qui est fort important pour... voir une section, mettons la province de Québec ici, elle est en exergue et c'est très, très voyant comme illustration. Encore là, j'arrête juste pour 2 secondes. Ça, ici, c'est utilisé énormément maintenant par les ordinateurs pour ressortir certaines breuvages ou certaines parties de l'avion. Et il l'avait. Puis ça ne me surprend pas non plus de voir le pape. Oui. Téléviseur et aussi là. Parce que même dans l'arithmétique, il y a toujours des petites connotation religieuse. Évidemment, c'était des congrégations. Ben oui. D'accord. Et la même congrégation a fait une nouvelle toilette et c'est ceux-là que j'ai, avec laquelle j'ai enseigné. Donc, et vous voyez que les photos apparaissent à ce moment-là. Donc, et l'illustration demeure également assez colorée, mais à l'ajout, on rend ici le cap de la Madeleine, on voit également des couleurs qui sont fort intéressantes pour l'élève. Pour l'enseignement. Quand j'étais jeune, je devais recopier ces cartes. Est-ce que ça aussi, ça t'a arrivé à toi de redessiner chaque carte? Non, on avait les cartes des espèces de rideaux qu'on descendait et toute la carte était là. On pouvait l'enseigner à partir du volume et la carte qu'on avait au tableau. OK. Mais c'est parce que je pensais au talent de dessinateur, le faire les cartes, non. Non, pas à ce moment-là. D'accord. Et le Centre de pédagogie de Montréal a lui aussi produit des géographies. Et vous voyez, on revient aux couleurs primaires qu'on avait dans les années 40. Parce que ces couleurs-là sont tellement intéressantes pour l'élève que ça frappe l'imagination et ça aide pour mémoriser. C'est exactement le verbe que j'avais un peu peur de l'entendre. Mémoriser en géographie, c'était beaucoup, beaucoup de ça. Il n'y avait pas de choses en disant, j'avais tiré des déductions. Il y avait apprendre pour mémoriser énormément. Est-ce que c'était une matière réellement ardue, réellement difficile ou ça devenait intéressant? Tu viens de le mentionner, c'est que la mémorisation faisait que cette matière-là était plus ou moins aimée parce qu'il y avait trop de mémorisation. D'accord. Mais c'était une matière intéressante parce qu'on parlait du pays, on parlait des endroits que les élèves, mettons, les élèves d'ici pouvaient voir, le Cap de la Madeleine, Lac Saint-Jean, etc. Et même dans la géographie physique, s'en aller jusqu'en province de l'Ouest lorsqu'on parlait de tout le pays en entier. De nos jours, Jean-Denis, on peut aller visiter le musée, on peut aller voir aussi une sortie, puis organiser différents travaux à Ottawa, à Hull, avoir des invités, avoir des films, avoir différentes choses. Puis il y avait des présentations orales, dynamiques, je parle de nos jours. Est-ce que dans ce temps-là aussi, ça se faisait ou c'était plutôt... Non, c'était plutôt très catégorique. On avait notre heure de géographie et ça se terminait là. D'accord. C'était une heure par semaine, 2 heures? Peut-être 3 quarts d'heure au maximum. Parce qu'on avait tellement de matière à voir que c'était très limité au point de vue temps. Ah, OK. Tiens, j'avais une petite question, je vais m'amuser. Est-ce que ça se compare maintenant? On a maintenant 9 heures de français. C'était-tu à peu près pareil? Puis 6 heures de mathématiques. Oh non, ça peut-être... une demi-heure... ça allait peut-être maximum une heure semaine. Ça, en géographie? En géographie. D'accord. Tandis qu'arithmétique et français, ça, il y en avait quand même beaucoup. Oh oui, il y en avait beaucoup parce que c'était plus important à ce moment-là. Intéressant. La géographie est rendue maintenant les sciences humaines. Ça ne s'appelle plus tout à fait comme ça. Intéressant. Puis il mélange aussi les deux, hein, le petit dessin, comme tel. Oui.
Puis aussi, ils vont arriver aux vraies photos... Un petit peu plus tard, dans, ouais. À ce moment-là. D'accord. OK.